Toi et ton peuple, vous êtes que des sauvages déguisés à tuer. Parqués dans des réserves ouvertes aux touristes qui pourront contempler les vestiges d'un monde dépassé. Comme français. Ton mal-être et en moi tu projettes une présence que tu n'as pas la chance d'avoir dans cet endroit. Je
tu as tué, donc tu dois mourir, c'est la loi du talion. C'est revanche, vengeance, aucune notion de pardon. Non, la loi n'est pas là pour te pardonner, mais pour te châtier. Tu la transgresses, t'es condamné, t'as qu'à assumer. Juste, tu s'es rendu, tu veux t'en prendre qu'à toi. Tous les hommes sont égaux devant la loi et tu savais ça. Je ne fais pas croire ça depuis mon enfance. La seule loi que j'ai devant moi, c'est celle-là. Ta loi, c'est du papier, la réalité est plus compliquée. La loi n'est pas la même suivant l'endroit où tu es né. Une enfance dans la délinquance, une adolescence dans la violence. Aucune chance de t'en tirer, de travailler. Arrête, et c'est surtout pas m'amadouer. La justice a tranché, t'as tué, t'es coupable pour toi, ce sera l'homme est capital, toute l'élimination radicale. Ton chef, tout représente tous les meurtriers. L'homme est capital, toute l'élimination radicale. Ton chef, tout représente tous les meurtriers. Ressemble humaine. De ce qui se passe là-bas, beaucoup ici sont dégoûtés. Nos
baiser, en moi la pitié. Je ne veux pas porter le titre d'héritier de la misère du monde, aussi immonde que soit votre roi. La misère qui en découle aura fait demi-tour avant que je m'écroule. Les exemples ne manquent pas, mais je ne suis pas là pour les énumérer, mais plutôt pour rappeler que tous les êtres humains sur toute la planète ont surtout besoin qu'on reconnaisse leur dignité. Un être humain ne veut pas de pitié, car il aspire seulement à se faire respecter. La frontière entre être humain et moins de rien, être assez peu jugé par les médias. Alors laissons tomber le voyeurisme malsain qui nous pousse à regarder le journal télévisé cher. Chantons plutôt à comprendre et expliquer ce que peuvent ressentir ceux qui sont nés du mauvais côté. En comparaison avec le train de vie que mène une reine, un ministre ou bien même son chien, moi non plus je dis rien. Hey, j'ai autre chose à m'occuper, je vais pas travailler ma tête, même si d'autres se la font couper. Sur toute la planète, les êtres humains sont les mêmes, quel que soit leur rang, quel que soit leur sang. Au nord comme au sud, sur deux hémisphères, le statut d'être humain n'a pas de frontières. Sur toute la planète, les êtres humains sont les mêmes, quel que soit leur rang, quel que soit leur camp. Au nord comme au sud, sur les deux hémisphères, le statut d'être humain n'a pas de frontières. La
ceux qui n'ont pas eu la chance de faire la une de l'actualité, décapités, égorgés. Des enfants brûlés, des corps pourtant leurs sang qui a tant coulé n'était pas de nature royale. Non, tout simplement pas d'origine occidentale. Voilà pourquoi la presse a scandale. A jugé capital de donner aux deux princes hérités le titre d'orphelin de Noël. Sans mentionner tous les enfants dont les familles sont sur des mines antipersonnelles. Les exploits des terroristes n'intéressent la presse. Quand ceci agresse un quart de touristes européens, comme si la vie avait beaucoup plus de valeur quand il s'agit de cet être humain né ici. Mais dans mon esprit, une vie est une vie. C'est un Hutu, d'un Tutsi, d'un paysan d'Algérie, d'un enfant qui meurt de faim en Somalie, est aussi importante que celle de l'Egypte. Sur toute la planète, les êtres humains sont les mêmes. Quel que soit leur rang, quel que soit leur sang. Au nord comme au sud, sur deux hémisphères, le statut d'être humain n'a pas de frontières. Sur toute la planète, les êtres humains sont les mêmes. Quel que soit leur rang, quel que soit leur camp. Au nord comme au sud, sur les deux hémisphères, le statut d'être humain n'a pas de frontières. Pas de frontières. Non, non. Côté de la terre, le ressemble humaine de ce qui se passe là-bas. Beaucoup ici sont dégoûtés, n'osent pas y penser de peur d'être traumatisés. Et on essayait surtout pas d'attiser en moi la pitié. Je ne veux pas porter le titre d'héritier de la misère du monde, aussi immonde que soit vouloir. La misère qui en découle aura fait demi-tour avant que j'écroule. Les exemples ne manquent pas, mais je ne suis pas là pour les énumérer, mais plutôt pour rappeler que tous les êtres humains sur toute la planète ont surtout besoin qu'on reconnaisse leur dignité. Un être humain ne veut pas de pitié, car il aspire seulement à se faire respecter. La frontière entre être humain et moins que rien, être assez tôt jugé par les médias. Alors laissons tomber le voyeurisme malsain qui nous pousse à regarder le journal télévisé cher. Sont plutôt à comprendre et expliquer ce que peuvent ressentir ceux qui sont nés du mauvais côté. En comparaison avec le train de vie que mène une reine, un ministre ou bien même son chien, moi non plus je dis rien. Hey, j'ai autre chose à m'occuper, je vais pas travailler ma tête, même si d'autres la font couper. Sur toute la planète, les êtres humains sont les mêmes. Quel que soit leur rang, quel que soit leur sang. Au nord comme au sud, sur deux hémisphères, le statut d'être humain n'a pas de frontières. Sur toute la planète, les êtres humains sont les mêmes. Quel que soit leur rang, quel que soit leur camp. Au nord comme au sud, sur les deux hémisphères, le statut d'être humain n'a pas de frontières. Non. Pirate assure la protection étroite, les flics et l'armée rassurent les paniqués de naissance qui pensent qu'en France faut mieux se planquer, la bougler sans bouger, protéger sa pitance, accorder sa confiance au plan secret défense, sécurité rapprochée ou liberté surveillée. Suis-je assez réveillé pour capter la nuance mauvaise, meurtri en tout cas dans la patrie des droits de l'homme. Pour celui qui n'a pas le visage en bonne et défense, qu'il soit malade ou maudit, chez lui encadré d'uniforme comme un bandit, on l'expédie un tampon de chloroforme sous le nez au cas où lui viendrait l'idée de vouloir rester chez nous. Comme ces réfugiés, les fous qui refusent de manger. Tout le monde s'en fout, qu'est-ce qui sera changé? Des gens qui meurent de faim, on en voit